J'ai pas assez de force. J'ai pas assez de force. J'ai pas assez de force. Si je peux faire s'effondrer cette grue, ça devrait me permettre d'enfoncer cette porte. J'ai pas assez de force. Je dois pouvoir l'amener dans l'eau en utilisant ce treuil à cordes. Bien, ça devrait marcher.
Cette statue doit représenter le prophète immortel. Et ici, cela représente l'exode de tout son peuple, depuis les déserts de la Syrie. Ils se sont installés dans une vallée isolée, et ont bâti une grande et belle cité. Qu'étais-je ? Pour protéger la cité ainsi que son peuple, le prophète a levé toute une armée de guerriers. Mais qu'est-ce que ça peut bien indiquer ? Cet artefact-là, ce n'est pas la source divine. C'est quelque chose d'autre, mais quoi ? Et ces guerriers forgèrent pour lui un atlas, pour que le prophète pût toujours situer dans sa cité les secrets qu'elle renferme. Un plan de la ville. Il pourrait sûrement me mener à la source divine. C'est un miracle que cet endroit tienne encore debout. Malgré la dégradation, le talent artistique est éblouissant. Pas un pas de plus. Du calme. Du calme. Tu sais que je ne suis pas une trinitaire. Et pourquoi devrait-on te croire ? Je me suis échappée avec l'un des vôtres. Un homme nommé Jacob. Et où est-ce qu'il est ? On était ensemble, mais on a été séparés dans les mines. Elle l'a tué ! Non ! Non, 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 non ! Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère. Écoutez, il faut me croire, je ne suis pas votre ennemi. Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter. Sophia ! Arrête ! Père ! Je croyais t'avoir perdu. Content de vous voir ici.
N'en veuillez pas à Sophia, elle est... prudente. Je le serai tout autant à sa place. Qu'est-ce que tu as découvert? Les Trinitaires arrivent en nombre. Nous devons nous préparer. Et elle? C'est une alliée. Je vous demande de ne lui faire aucun mal. Toutes ces ruines... La cité perdue du prophète est tout près. Venez. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Préparez la réserve d'armes et sécurisez les remparts. Allez-y, maintenant. Ils ne vont pas tarder. Et nous ne sommes pas assez. Les enfants et les anciens sont vulnérables. Va. Conduis-les dans les catacombes. Allumez les feux. Il faut vite alerter la vallée. Waouh. Époustouflant. Sophia, rassemble nos combattants et venez me rejoindre au village. Ne t'avise plus de disparaître, père. Il y a beaucoup à faire. Et si on avait un peu plus de temps? Plus tard. Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile. Ce vase devait être magnifique avant. Mais quelqu'un y a percé des trous et l'a rempli de terre. Il devait sûrement y faire pousser des plantes. Qu'elle sache ce qui nous menace. Je vais faire de mon mieux. Vous deux, il nous faut des yeux braqués sur la vallée. Placez-vous sur les falaises. Jacob et son peuple sont coriaces, je dois l'admettre. Mais les Trinitaires sont en chemin. Ils auraient bien besoin de mon aide. Quant à cet atlas dans la fresque, s'il s'agit vraiment d'une carte des ruines, je dois le trouver avant Anna. Si j'échoue, tous ces gens seront morts pour rien. Et je n'ai aucune envie d'avoir ça sur la conscience. Il me faut plus de bois pour le feu. Ils ont presque tout utilisé pour réparer les tours de garde. Il va falloir qu'on se débrouille avec ce qui reste. Jacob avait dit qu'il viendrait. On ne s'est jamais complètement remis après les soviétiques. Encore un hiver difficile pour mon peuple. Il y a plus de décès que de naissances, désormais. Et saison après saison, les plus jeunes s'impatientent. Je les vois lever la tête quand les rares avions passent dans le ciel, loin au-dessus de nous. Pensifs. Rêveurs. Curieux. Je sais qu'ils sont toujours dévoués à la cause. Mais je sens qu'un changement se prépare.
Bientôt, notre mode de vie disparaîtra. Les derniers envahisseurs ne sont plus qu'un lointain souvenir. Mais d'autres trouveront notre vallée. Et nous sommes liés au destin de ce lieu à jamais. Pour le meilleur. Et pour le pire. On savait que ça arriverait. Forge le plus possible de têtes de flèche avant. Toi ? Il n'y en a pas assez. Il faut qu'on fasse 100. Vous là-bas, on a besoin d'aide si vous êtes là pour ça. Je suis venu aider. Qu'est-ce que je peux faire ? On essaie de fortifier le plus de tours possible. La plupart ont été endommagées par les inondations de l'an dernier. Les réparations avancent bien. Mais j'ai besoin de matériel supplémentaire dans la vallée. Si on parvient à réparer ces tours, on aura l'avantage sur les envahisseurs. Et ça nous permettra d'atteindre les niveaux supérieurs des ruines. Vous voulez bien nous aider ? Je vais voir ce que je peux trouver. Merci. Ramenez-les-moi quand vous les aurez trouvés. Je vais manquer de gaz pour le chalumeau. Je dois pouvoir faire encore 4 plaques pour des barricades, 5 au maximum. Après, il faudra que je fasse le plein. Bien le bonjour. Ça va pas être facile. J'ai traîné les dernières fois. Comment vous avez trouvé cet endroit ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Il doit bien y avoir un autre moyen. Je suis navré que Sophia vous ait fait mauvais accueil. Je comprends. Contente que vous ayez été là pour vous porter garant. Mon peuple a passé des décennies à repousser des étrangers. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Voyez si vous pouvez participer aux préparatifs. Votre aide pourrait jeter les bases d'une relation de confiance. Je vais voir ce que je peux faire. Ah!
en a pas assez. Il faut qu'on fasse 100. Il doit bien y en avoir d'autres. Envoie quelqu'un vérifier. J'envoie qui, au juste? Tout le monde est en route vers le bas village pour se préparer. Écoute, il va falloir improviser pour le moment. La guerre approche. On doit se préparer. Vous avez trouvé votre bonheur? Pas encore. J'y travaille. Les Trinitaires ne vont pas tarder. Vous avez le matériel qu'il nous faut? Tenez, il doit y avoir tout ce que vous avez demandé. Bien, bien. Laissez-en un peu dans cette corbeille, là. On pourra finir les réparations. Et si vous pouviez descendre le reste en bas de la tour au bord du lac? Quand vous aurez terminé, venez me retrouver ici.